La plupart des jeunes filles sont exposées aux récits de princesses dès leur plus jeune âge. Ces récits suivent inévitablement un schéma narratif commun, mettant en scène une jeune femme d'une très grande beauté, aux traits délicats, au corps mince et vêtue de somptueuses robes. Et elles parviennent à conquérir le prince charmant grâce à leur douceur, à leur beauté et à leur dévouement. Cependant, il existe plusieurs exceptions notables, et notamment le personnage de la princesse Fiona. Conçue par les scénaristes Ted Elliott et Terry Rossio, Fiona incarne une héroïne emblématique de la série Shrek. Et comme toute princesse traditionnelle, elle est promise à son prince charmant par ses parents, le roi Harold et la reine Liliane. Cependant, dans le royaume de Fort Fort Lointain, les événements prennent une tournure inattendue. En effet, dès la tombée de la nuit, cette belle princesse se métamorphose en ogresse, un personnage inspiré du livre de William Steig. Cette différence par rapport au récit classique des contes de fées remet en question les attentes socio-culturelles habituellement liées aux princesses et aux normes de beauté, offrant ainsi une perspective différente sur la féminité et l'amour. Aujourd'hui, on va analyser Shrek 1 et Shrek 2 pour comprendre comment une ogresse disgracieuse et mal polie devient l'héroïne de toute une génération. Bonjour, enchantée, c'est Léa Chou et bienvenue sur ma chaîne Et si c'était faux. Et aujourd'hui, on va se demander si Fiona est l'anti-princesse qu'on attendait toutes. Et comme aujourd'hui, on va questionner la princesse, j'ai une collaboration qui aurait pu grandement aider Blanche-Neige, Cendrillon et même Fiona. Il était une fois, en haut de la plus haute salle, de la plus haute tour, une princesse qui attendait son prince charmant. Malheureusement pour la princesse, les jours s'enchaînent et toujours aucun prince à l'horizon. Puis un matin, la princesse découvrit devant sa porte un colis étrange. Et si toi aussi tu ne veux pas t'ennuyer jusqu'à Noël et explorer ta sexualité solo ou à plusieurs, je te présente ceci. Ah non, c'est dans l'autre sens. Bon, du coup, il a un peu des heures de vol. C'est le fameux calendrier de l'Avent 24 cases espace plaisir en collab avec Womanizer. Tous les produits à l'intérieur ont une valeur de 490€ et actuellement il a une centaine d'euros, je pense, sur le site. Ce que je trouve chouette, c'est que quand tu ne sais pas trop par où commencer, ce que t'aimes ou pas, en fait c'est une bonne idée parce que un sextoy ça coûte quasi 60 balles et là pour le coup t'as pas mal de choses à tester. C'est un peu fun quand même. Et puis il y a le fameux Womanizer classique. Je vous mets tout ça dans la barre de description. Oh, c'est incroyable. Contrairement aux représentations stéréotypées des princesses couramment véhiculées dans les récits des frères Grimm et repris par les Disney, Fiona incarne une nouvelle forme symbolique qui tente d'aller à contre-courant de la princesse confinée au rôle conventionnel de beauté et de passivité, et même à les critiquer. Mirror, mirror, show her to me. Show me the princess. Farquaad est le souverain de Duloc, et dès l'entrée à Duloc, les habitants sont accueillis par un drapeau qui ressemble étrangement au logo Facebook et par une petite chanson qui peut être interprétée comme une subversion à l'iconographie de Disneyland. La saga Shrek va jusqu'à même reprendre et critiquer leur princesse emblématique. On retrouve Cendrillon et Blanche-Neige, qui sont deux princesses qui ont littéralement eu une vie merdique. Et tous ces symboles ont été associés à Farquaad, qui est un homme qui décide du choix de sa future femme autour d'un jeu qui emprunte les codes télévisés du Bachelor. Donc Farquaad a le choix entre Cendrillon, décrite comme une recluse maltraitée qui trouve l'épanouissement dans les tâches ménagères et culinaires, de toute façon elle a pas vraiment le choix. Blanche-Neige qui vit avec 7 nains mais qui n'est pas une fille facile. De toute façon, elle a pas le temps puisqu'elle est en train de faire H24 la graille et le ménage, tout en évitant une sorcière qui tente de la buter juste parce qu'elle serait trop belle. Et pour terminer, nous avons Fiona qui est présentée comme sulfureuse et guerrière. C'est ainsi le miroir dit à Farquaad de ce qui l'intéresse, reléguant ainsi ses femmes à une vision très sexiste, soit en associant ses femmes à des rôles traditionnels de ménage ou en leur donnant une sexualité attractive. Et finalement, on s'en fout puisque la sélection de Farquaad se révélera arbitraire, puisqu'en fait ce sont les autres, et notamment son bourreau, qui va lui dire de choisir Fiona, puisque la femme n'est perçue que comme un objet permettant à avoir un statut social. En opposition au conte Grimm et à la construction habituelle de la princesse, la saga Shrek nous met en avant Fiona, une princesse qui se détache des valeurs chrétiennes de la bourgeoisie allemande. Elle n'est pas associée à des traits tels que la gentillesse, la moralité et la vertu. Et même au-delà de Fiona, beaucoup de personnages dans Shrek sont hors normes, que ça soit à travers des
des souris non-voyantes, des monstres qui sont gentils, de Farquaad qui est nain, ou encore de Marraine la Bonne Fée qui est la vilaine capitaliste. Sur le chemin du retour, lorsque Shrek l'amène voir Farquaad, Fiona commence à manifester des comportements qui vont à l'encontre des normes conventionnelles associées au genre féminin. Pas des choses à faire devant une princesse. Merci. Ce sont des comportements inattendus pour un personnage féminin traditionnel, notamment une princesse. On retrouve une bagarre avec Robin des Bois, on retrouve Fiona qui mange du rat, qui pète, qui rôde, ou qui, à l'inverse de Blanche-Neige, ne sait pas chanter et tue un oiseau. Et cette subversion est aussi mise en exergue par Shrek, puisque quand il découvre que Fiona est un ogre, eh bien il lui dit « Ah bah tiens, ça explique beaucoup de choses », sous-entendant que c'était pas possible qu'une princesse puisse se comporter comme elle. Et cette dualité de comportement remet en question les normes sociales établissant que les femmes, et d'autant plus les princesses, devraient se conformer à la passivité et à l'élégance. Ok, Fiona est cette nouvelle forme symbolique de la princesse, se voulant remettre en question les normes établies, voulant bousculer les règles, ok, mais vous vous souvenez de ceci? La socialisation primaire permet de mettre en place ce que nomme Bourdieu des structures structurées. Comme on peut le voir, la chambre d'enfant de Fiona met en exergue son genre. Elle possède une couverture arc-en-ciel, du rose partout, des nœuds, des coussins en cœur, et ainsi de suite. Fiona grandit en tant que femme cisgenre, avec comme norme l'hétérosexualité. Dans sa chambre, il y a une horloge qui, à chaque heure, fait sortir un couple qui se font un bisou, et puis re-rentre. On le voit aussi avec le fameux poster de Justin Timberlake au-dessus de son lit, mais on le voit surtout avec le journal intime où elle écrit « Maman dit que quand je serai grande, mon vaillant prince charmant me libérera de mon donjon, me ramènera dans ma famille et nous vivrons heureux pour toujours » en répétant « Madame, Fiona charmant, Madame, Fiona charmant » plus de 18 fois. Et le petit fun fact aussi, c'est le poster de Chastity Belt qui signifie ceinture de chasteté et une petite. Donc c'est une chambre genrée qui pourrait être la chambre classique d'une petite fille. Si, évidemment, elle n'était pas dans un gigantesque château avec un lit en baldaquin, de la dentelle, des meubles qui sont particulièrement designés dans du bois, une cheminée, un balcon, bref, c'est une demeure, sa chambre. Hein. Pas besoin de vous convaincre que Fiona est bel et bien une princesse. Et donc, en tant que princesse, elle est dotée de tous les capitaux. Tout d'abord, le capital social, puisque c'est une princesse qui vit à fort, fort lointain et qui a donc des copines princesses, copines riches. Elle est riche puisque c'est la fille unique du roi Harold. Et c'est son habitus, c'est-à-dire comment à travers sa socialisation et donc ses différentes expériences sociales, comment Fiona définit son espace social et surtout comment elle se définit par rapport aux autres. C'est comment un agent, donc ici Fiona, ingère un logiciel ou une carte mentale qui fait que celle-ci va se comporter d'une certaine manière dans une certaine situation. Mais aussi qu'elle va trouver le comportement d'autrui plus ou moins cool en fonction de cet espace. Et dans cette chambre d'enfant, au-dessus de la cheminée, on va avoir quatre poupées qui symbolisent donc la délivrance de Fiona. Et donc, dès l'enfance, Fiona va intérioriser que ce sera un prince charmant qui viendra la chercher et que celui-ci, pour cela, va tuer un ogre. Proche chevalier, accepte cette modeste faveur en gage de ma gratitude. Mais en fait, dans la réalité, ça se passe pas comme prévu, puisque quand Shrek s'approche de Fiona, en fait, elle le voit pas car il a un casque de chevalier. Elle va se dépoussiérer, se recoucher, puis attraper des fleurs, puis se remettre en position et attendre que Shrek arrive. Et quand il va s'approcher d'elle, elle va tendre les lèvres pour avoir ce baiser de son prince charmant. Sauf que lui, Shrek, il vient d'un milieu totalement différent de celui de Fiona et donc n'a pas évolué sur ce même champ social. Et donc, il connaît pas les codes. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la secouer hyper fortement et Fiona va, à partir de là, être énormément confuse et ne pas comprendre ce qui lui arrive. Et dans cette scène, on peut voir comment sa structure structurée, soit sa socialisation en tant que princesse à travers des normes de genre, de classe et de race, vont influencer son comportement à l'instant T. En fait, elle va faire ce que l'on attend d'une princesse, elle va faire ce qu'on lui a appris. Et elle lui dit, ne devrait-il pas être un moment merveilleux et romantique? Vous eussiez grimpé par la tour, vous aidant d'une corde nouée? Ce à quoi Shrek répond, ah oui, vous avez dû vous sentir particulièrement seul pour cogiter tout ça. Et c'est là où elle dit sa fameuse phrase,
gage pro chevalier, accepter mon gage et tout ça, et elle lui tend aussi le mouchoir comme la poupée qu'il y a au-dessus de la cheminée. Et donc à la fin, quand ils sont à l'abri, elle réclame que Shrek enlève ce casque pour le voir, puisque tout son monde social ne repose que sur ça, le fait d'avoir ce vaillant prince charmant qui vient me délivrer pour me libérer de cette malédiction en fait. Et Shrek et Lan, ils rient à gorge déployée quand elle leur dit mais c'est mon destin, etc. Enfin, eux, ils trouvent ça tellement absurde comme scène, parce que bah, ils savent très bien que Shrek n'est pas la personne qu'il faut pour Fiona, puisqu'elle est princesse et que c'est un ogre. Et donc là, il va enlever son casque, et elle va le regarder tout d'abord d'un air triste, puis d'un air dégoûté, et elle va paniquer en lui disant « Il doit y avoir une erreur, vous ne devriez pas être un ogre. » Et comme l'explique Bourdieu pour décrire l'habitus et l'importance de celui-ci sur le comportement humain, « Ce sont des structures structurées, prédisposées à fonctionner comme des structures structurantes. » Fiona, à travers son habitus, sait que c'est une princesse. Mais au-delà de ça, Fiona est une princesse qui doit tomber amoureuse d'un prince qui viendra la délivrer de sa tour. Qu'importe qui est le prince, vraiment, on s'en fout. S'il fallait que quelqu'un vienne la chercher, c'est Shrek qui est venu la chercher. Au final, la figure de Fiona ne déconstruit pas réellement la figure de la princesse en elle-même. Bourdieu appelle ça l'hystérésie de l'habitus, alors ce n'est pas un sort, mais ça explique que même si l'individu en question se retrouve dans un espace social différents, changement de statut, de position sociale ou être un ogre, celui-ci tendra à conserver au moins en partie ou au moins pendant un certain temps les dispositions initiales. Je suis une très grande fan de Shrek, vous m'envoyez des mèmes sur Shrek tout le temps, on est là, on se sait, etc. J'ai loué un costume pour cette vidéo et je l'adore parce que je trouve ça intéressant qu'à travers le personnage de l'ogre, on puisse observer divers enjeux sociétaux, notamment en relation avec le sexisme, classisme et même le racisme. La notion de sexisme est particulièrement présente dans le Shrek 1, à travers donc la transformation de Fiona qui perd bah, du coup ce privilège de la beauté. It's disgusting. La figure de l'ogre englobe aussi bah, du coup le classisme. Être un ogre, c'est associé donc à être de classe populaire, et donc ça suggère une hiérarchie sociale qui reflète comment les ogres sont traités et perçus. C'est un petit peu le thème principal, je pense, de Shrek, le fait que la déshumanisation de l'ogre. I order you to get them out of my sight. Cependant, et avec des grosses guillemets, bien que j'adore la saga, j'ai l'impression qu'on se fait un petit peu douiller. Fiona, cette nouvelle forme symbolique de la princesse, dans le Shrek 1, elle va se faire chercher dans la tour comme une princesse. Dans le Shrek 2, elle fait rencontrer à ses parents et elle récupère son statut social. Elle reste une princesse, elle est acceptée, etc. Dans le 3, elle fait quoi? Elle fait des enfants, donc dans le 3, elle disparaît puisqu'elle est occupée à devenir une femme respectable et à prendre les coutumes. Donc c'est un petit peu la critique de ça, tout le temps. Mais au final, elle le fait. Au final, on nous vend un idéal de femme qui reste cantonné à celui de la mère et d'épouse. La nuance, c'est que dans Shrek, Fiona va en plus renoncer à son confort de classe, mais aussi à son privilège de la beauté par amour. I love you. Really? Really, really. A l'inverse de la princesse traditionnelle qui nous faisait un transfuge ascendant, Fiona, quant à elle, fait un transfuge descendant. Soyez de bonne épouse et soyez indulgente avec votre mari parce que vous avez bon cœur et qu'il vient d'un milieu difficile. Et hiérarchiquement, oui, on peut supposer qu'on se fait douiller. Mais si jamais le sujet vous intéresse et que vous avez envie de vous faire votre propre avis, je vous renvoie à la vidéo sur les relations de pouvoir dans le couple hétérosexuel. C'est ta vie en lui ce que seul toi pouvais comprendre. Bon, après tout, à quoi s'attendre quand tu sors avec un homme sexiste et problématique? Et je vais vous le prouver puisque j'ai prévu un épisode qui va vous expliquer en quoi Shrek est problématique avec Fiona. Pardon ! En espérant que cette vidéo t'aura plu, évidemment je balaye grossièrement plusieurs concepts sociaux pour expliquer des choses dans de la pop culture, mais si le sujet t'intéresse réellement, je mettrai en description d'autres informations, d'autres liens, d'autres choses pour approfondir puisque c'est passionnant, évidemment il y a des nuances à avoir, etc. Là je l'ai fait assez grossièrement, mais c'est une bonne base pour comprendre plein de choses en sociaux. Et si jamais tu veux soutenir mon travail gratuitement, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à liker la vidéo, et si tu veux et que tu peux me soutenir financièrement, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Patreon. Et je remercie évidemment grandement Espace Plaisir pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et si tu veux retrouver leur calendrier, il est encore une fois en description. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sur ce, câlin consenti et bon week-end.